Coucou mes amis Lyon, allez, on termine avec vous pour le mois d'août 2022. Voilà, j'espère que vous allez bien, bien mieux que moi. Voilà, comme j'avais dit dans mon petit commentaire dans ma rubrique communauté, j'ai rattrapé le Covid. Donc, je ne savais pas si j'allais pouvoir terminer mes signes. Donc, je me sens un peu mieux. Donc, je tente le coup. Donc, soyez indulgents. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et que vous profitez de votre mois d'août. Allez, on va aller commencer le tirage. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Les lions, août 2022. Voilà, cultivez la foi. Donc, continuez à cultiver votre foi, à croire en ce que vous faites. Je vais la mettre là pour l'instant. Et en dos de deck, on a retrouvé votre nature profonde. Donc, là, qu'est-ce qu'on me dit avec cultiver votre foi, cultiver la foi, ça consiste à croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans votre réalité, d'accord? Donc, cultiver, continuer à croire en ce que vous faites, en croire en ce que vous faites. Là, c'est clair, net et précis. Vous êtes au début peut-être de votre spiritualité. Vous croyez en ce que vous voulez faire dans votre créativité. Donc, bah, allez-y. La 15, retrouvez votre nature profonde. Eh bien, on vous demande de vous libérer, de revendiquer l'énergie, la puissance, la motivation, la créativité qui est en vous. Voilà, donc, allez-y, hein, vous êtes au bon endroit pour commencer votre aventure, hein, les amis lions. Voilà, donc, on va aller prendre la thématique du mois d'août. Allez, ah bah celle-ci, elle a voulu venir, hein. Je ne sais pas si vous avez vu voler, mais moi, je l'ai vu. Eh bien, on a l'étoile, hein. Donc, vous êtes en pleine réussite, hein. Il n'y a pas de problème. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Voilà, mes amis lions. Ensuite, nous allons prendre une petite carte des runes. Allez, pour les amis lions, s'il vous plaît, août 2022. Voilà, je suis contente, je vais beaucoup mieux, là, j'ai retrouvé à peu près ma voix. Donc, ah, il y en a trop. Je recommence. Allez, pour les amis lions, s'il vous plaît, voilà, on a feu. Fé. Ton travail porte ses fruits. Donc, continuez d'y croire. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Bon, ben voilà. Continuez à manifester votre créativité. Continuez à croire en ce que vous faites. Vous êtes la star. Vous allez réussir tout ce que vous avez entrepris. Ben, la prospérité est à portée de votre main. Allez, avec les petits messages des anges, et ben nous avons l'ange bleu. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège. Pour toujours, n'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et ben vous avez l'archange Michael qui vous soutient, qui vous aide dans votre réussite. Donc, allez-y, mes amis lions. Allez, on va aller voir avec les dragons vikings ce que ça nous apporte.
Allez, quel est le message pour les lions août 2022, s'il vous plaît? C'est ce qu'elle veut venir. Hein. Nous avons les éléments. L'eau, l'eau, l'air, le feu et la terre. Nous avons l'ingéniosité. Allez, quel est notre message, s'il vous plaît? J'ai eu 4 cartes pour les autres. Je termine avec la fidélité. Il y a trop de cartes. Et celle-ci, elle veut venir. L'exploration. Et on a l'initiation en dos de deck. Bon. Je pense qu'il y a des lions, oui, des amis lions, qui vont s'initier peut-être à tout ce qui est élément de la vie, tout ce qui est élémentaux, tout ce qui est fondamentaux, tout ce qui est, voilà. Vous en avez l'ingéniosité, vous avez un esprit ouvert. Donc, je pense que vous allez explorer cette partie de votre créativité, de votre foi. Vous allez l'explorer, vous allez vouloir explorer tout ce qui est un peu, voilà, tout ce qui vous entoure. Hein, tout, comme je vous ai dit, l'eau, le feu, la terre et l'air. Hein, donc, tout ce qui est élément de la vie vitale. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, vous allez explorer, et ça va être, et vous allez rester fidèle à votre nouvelle créativité. Vous êtes fidèle, vous allez rester fidèle à votre foi, à votre créativité, à votre ingéniosité. Donc, mes amis lions, ben, vous avez la route grande ouverte devant vous, donc lancez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. On va aller voir avec les cartes, l'oracle miroir. Alors, excusez hein, si je cherche encore mes mots, mais je vais un peu mieux que depuis hier. Hein, donc, ce satané virus m'a haché menu. Hein. Allez, pour les lions. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour les lions, s'il vous plaît? Merci. Bon, vous avez la loi. Donc, si vous voulez créer une auto-entreprise, quelque chose qui est dans l'ordre de la spiritualité ou quoi qu'est-ce, vous avez la réussite. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Si ce n'est pas dans la spiritualité, cette créativité va vous apporter votre équilibre. Hein. Voilà. Vous êtes dans le bon timing. Hein. Hop. On me dit que vous y voyez, vous avez de l'intuition. Donc, les lions peuvent être très intuitifs aussi. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, donc effectivement, hein, donc vous allez explorer, vous allez faire le choix de l'exploration. Donc, allez-y. Et on a quand même l'amour. Hein. Donc, grâce à l'amour, peut-être à une rencontre, un partenariat, vous allez exaucer tous vos désirs et tous vos souhaits. Donc, c'est un très très beau tirage hein, pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous êtes, c'est ce qu'on me dit, hein, là, vous êtes à la naissance d'un projet. Donc, le chemin est encore long, mais il arrive. D'accord?
Avec Madame Lenormand, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, pour les Lions, août 2022. Bah, écoutez, on a encore le choix. Vous avez encore le choix, hein? Donc, prenez la bonne porte. Et il y a des courriers qui vont arriver. Donc, sur le bon timing. Hein. Vous avez le timing divin là. Voilà. Vous avez la protection divine aussi. Avec les chouettes. Sur la clairvoyance. Donc, il n'y a rien à dire. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Allez, mes amis Lions, pour. Août 2022. Quelle est la dernière carte? Dernier message, s'il vous plaît. Ah, celle-ci, elle veut venir. Hein. Et on a la fidélité. Donc, vous êtes vraiment fidèle à votre objectif. Hein. Et on a l'abondance. Avec l'ours, il y a de l'abondance financière qui vient à vous. On va aller voir avec la triade. Allez, mes amis Lions, pour le août 2022, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, celle-ci, elle a voulu venir. Hein. Donc, on a le sceau, la protection. Donc, super. Hop. Là, bah oui, vous étiez dans l'isolement, bah vous allez en sortir. Hein. C'est le bon timing suite à un courrier. Peut-être que ça va vous faire sortir de votre isolement. Hein. Il y a trop de cartes. Allez, quel est le message pour les Lions août 2022, s'il vous plaît? Merci. Ouais. Vous allez surtout, vous allez arrêter de tourner en rond. Ça va. Vous allez muter quoi. Vous allez vous découvrir, pouvoir faire quelque chose de bien. Parce qu'avec les éléments, ça peut parler aussi de lithothérapie. Hein. Peut-être qu'il y a des Lions qui veulent se lancer dans la lithothérapie. Voilà, les pierres qui touchent aux éléments de ce qui nous fait vivre. Peut-être que ça va vous transformer, vous faire une... Vous allez muter vers une activité que vous ne connaissez pas. Voilà, mais vous avez l'intuition et le soutien de l'univers. Hein, donc, il n'y a pas de... Vous pouvez y aller. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez la transformation, mais il risque d'y avoir quelques discussions houleuses. Hein, on va peut-être essayer de vous dissuader de vous lancer dans cette branche, parce que c'est pas viable, c'est pas si, c'est pas ça. Bon, suivez votre instinct, suivez votre foi, d'accord? Et on me dit que ça va être votre équilibre. Voilà. Donc, il n'y a pas... Si vous voulez vraiment le faire, bah faites-le. Il n'y a pas de problème. Voilà, mes amis Lions, ce que j'avais à vous dire pour le général. Hein. Moi, je pense que, voilà, comme je vous disais... Vous avez l'envie de création, l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, vous allez même vous initier. Hein. Donc, je pense que vous allez peut-être, et même sûrement, vous initier à tout ce qui est, tout ce qui est pierre. La lithothérapie, le soin avec les pierres.
Vous êtes très ingénieux, donc il n'y a pas de. Vous allez explorer cette possibilité-là. Vous allez le faire, puisque vous en avez. Voilà, ça va être votre équilibre. On a deux fois l'équilibre, hein, quand même, hein. Vous êtes dans le bon timing. Vous allez recevoir des courriers qui vont vous faire sortir de votre isolement. Vous avez la protection, hein, vous avez la protection, deux fois la protection. Ça va vous transformer. Bon, comme je vous ai dit, hein, évidemment, il va y avoir des discussions houleuses, mais peu importe, vous allez y aller. De toute manière, vous allez avoir du soutien, soutien d'une personne avec qui il y a un très fort amour, quoi. Même si c'est pas amoureux, c'est peut-être quelqu'un avec une amitié profonde, quoi. Voilà, donc de toute manière, vous avez la réussite, vous avez l'ange bleu, l'archange Michael qui est là, qui est à vos côtés. Vous avez fait, hein, ton travail porte ses fruits, la prospérité est en chemin et le succès en appellera d'autres. Donc, moi, écoutez, c'est clair, net et précis, hein. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc, bah, écoutez, lancez-vous, hein. Voilà mes amis lions. Allez, je vous prépare le sentimental. Allez, avec le chakra du cœur, qu'est-ce que nous avons pour mes amis lions août 2022, s'il vous plaît. Ah, ça fait avancer mon pendule, dis donc. Est-ce que le sentimental serait open, open, open? Allez. Qu'est-ce que nous avons pour les lions, s'il vous plaît? Alors, on a l'âme sœur spirituelle. Donc, ça, c'est une carte. C'est quelqu'un, c'est votre mentor, c'est votre. C'est un ami sincère. Voilà, on me dit que tu n'es pas prêt. Vous êtes libre arbitre. Allez. Et une autre personne perturbe la relation. Bon. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah. Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais on me dit que vous n'êtes pas prêt. Qu'il y a quelqu'un d'autre qui. Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Parce qu'une autre personne perturbe la relation, ça peut être ben, une famille recomposée, hein. Ça peut être des enfants qui perturbent votre relation, ça peut être une autre compagne, un autre compagnon, peu importe. Moi, voilà, donc, et vous avez votre âme sœur spirituelle qui est là, qui vous conseille, hein. Et qui vous dit, vous êtes c'est à vous de faire le choix, en fait. Voilà. C'est à vous de faire le choix d'aller à droite, d'aller à gauche, de continuer cette relation. Vous vous sentez pas prêt. Ok, vous ne vous sentez pas prêt, mais vous savez qui est votre âme sœur. D'accord? On me dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Et ton âme sœur est bien là. Voilà. Donc, à mon avis, vous n'allez pas tergiverser pendant trois plombes. À un moment donné, vous allez être prêt et vous allez savoir écouter votre mentor, votre âme sœur spirituelle qui va vous dire, ben, fonce. Alors, où est-ce que vous voulez faire votre création d'entreprise ou votre création avant d'entamer une relation, mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un peut aider l'autre aussi. On peut, parce que si on n'est pas bien spirituellement, on n'avance pas. Si on n'est pas bien sentimentalement, on n'avance pas. Donc, on peut aimer quelqu'un, enfin avoir une âme sœur
et qui vous aide aussi à prospérer dans votre activité. Voilà. L'un et l'autre peuvent être compatibles. Hein. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Oui, vous allez vous réconcilier. Voilà, il y en a trop. Allez. Voilà, c'est pour la polarité féminine. Bon, il y a eu quelque chose d'éphémère. Parce que vous ne vous sentiez pas prêt, donc peut-être pour vous, vous avez peut-être vécu quelque chose d'éphémère. Hein. Allez. Bon, et vous avez la meilleure amie qui est là. La meilleure amie qui peut être aussi votre âme sœur spirituelle. Hein. Attention. Là, on me dit que vous avez vécu quelque chose d'éphémère parce que vous ne vous sentez pas prête. Mais vous êtes votre libre arbitre. Attention. Donc, vous allez vous réconcilier, je pense, avec l'amour. Parce que, de toute manière, c'est votre karma. Hein. La personne que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, ou même si vous êtes célibataire, oui, c'est quelqu'un que vous... C'est votre karma. Si vous êtes en couple, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, bah même si quelqu'un perturbe votre relation, ce lien, c'est un lien karmique, d'accord? Et ça va, vous allez faire le bon choix, parce qu'il y a des projets en cours, et cet été, eh ben, ça va être une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, je pense que le choix va être fait, d'accord mes amis lions? Voilà ce que j'avais pour vous. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. S'il est d'accord avec moi. Allez, pour les lions, août 2022, s'il vous plaît. Alors là, il a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, vous allez vous libérer. Vous libérer de votre... de vos ressentis qui sont peut-être pas fondés. Vous vous dites peut-être pas prêt et en fait, vous avez peut-être peur. Je ramasse les cartes. Et oui, vous avez la bonté du cœur. Hein. Vous êtes une bonne personne. Hein. Vous êtes une belle personne. Donc... vous voulez pas vous faire avoir, quoi. Alors, vais-je avoir d'autres cartes, s'il vous plaît. Regardez. Vous avez un grand bonheur qui arrive, en plus, sur l'amour éphémère. Eh bien, ça va être un grand bonheur quand même pour vous. Donc, je pense que ne combattez pas vos sentiments. N'allez pas contre vos sentiments. Acceptez ce qui vous arrive. Un million. Et ouais, il y a plein de promesses en route, là. C'est beau. Et regardez. Une vie hein, de couple. Vous allez pouvoir mettre vos deux brosses à dents dans le même verre. C'est génial, génial. Ben voilà, hein, écoutez, vous êtes la star, hein, vous êtes l'étoile. Au mois d'août, tout va vous réussir. Vous avez l'archange Michael qui va vous soutenir. Vous avez la rune Fée hein, qui vous dit que votre travail porte ses fruits. Croyez en votre créativité. Croyez en votre foi et tout va aller dans le bon sens, mes amis lions.
Voilà, si la lecture vous a parlé, ben merci de liker, de partager. Surtout liker parce que, ben, comme ça, YouTube fera, donnera plus de visibilité à ma chaîne. Liker, partager, commenter. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Hein, activez la petite cloche. Et moi, je vous dis à très vite et passez un très, très joli mois d'août. Allez, au revoir.